Après deux siècles d'exploitation charbonnière, de progrès et d'innovation technique, mais aussi de lutte historique, le bassin minier de Decazeville a refermé une page de son histoire, celle du charbon. Confronté sur un marché international à la très vive concurrence des autres énergies, comme l'ensemble des unités de production de charbonnage de France, la découverte de Decazeville a livré ses dernières tonnes en 2001 pour entrer dans une phase active de mise en sécurité qui s'est achevée mi-2006. Charbonnage de France a laissé place à des aménageurs pour lui donner une autre vie dans ce coin de terre aveyronnaise où elle a tant donné. C'est en juin 2001 que le dernier godet de charbon est extrait dans l'Aveyron. L'arrêt de la découverte de La Salle à Decazeville, dernière mine à ciel ouvert exploitée par Charbonnage de France dans l'Aveyron, marque la fin d'une aventure charbonnière commencée au XIXe siècle. Le lavoir, construit en 1876 à proximité du ruisseau de la Case, modernisé en 1904 avant d'être reconstruit et automatisé en 1956, s'est arrêté définitivement en mars 2001, quelques mois avant la découverte. Capable de traiter jusqu'à 1200 tonnes jour, il a été démantelé en 2002. Il libère la vue sur le puits central, qui demeure aujourd'hui l'un des derniers témoins de l'exploitation charbonnière dans l'Aveyron. Depuis 1966, date de l'arrêt de l'exploitation souterraine, c'est plus de 10 millions de tonnes de charbon qui sont sorties de la découverte de Decazeville. 65% de la production alimentait la centrale thermique de Panchaud et les 35% de produits nobles étaient commercialisés dans le résidentiel, le tertiaire et les industries de la région. Construite en 1955 sur les rives du Lot, la centrale de Panchaud, d'une puissance de 60 MW, a été arrêtée le 31 décembre 2001 après plus de 45 ans d'activité. Elle a été démolie en juillet 2004. Elle libère aujourd'hui un site de 7 hectares sur lesquels pourront se développer de nouvelles activités. 110 millions de tonnes de charbon ont été produites depuis le Moyen-Âge dans l'Aveyron. Petit retour vers le début de l'aventure charbonnière dans le bassin de Decazeville, au Bain, au nord-ouest de l'Aveyron. Si le premier témoignage sur la présence du charbon remonte à l'année 1360 du côté de Villefranche-de-Rouergue, l'Aveyron vit toujours d'agriculture et d'élevage au début du XIXe siècle. Pourtant, dans le pays d'Aubin, le duc Élie de Cazes va créer un gigantesque bouleversement économique. Ambassadeur de Louis XVIII en Angleterre, le duc de Cazes revient en effet enthousiasmé par les techniques employées par les sidérurgistes anglais. Constatant la présence de minerais de fer et de houille dans la région, il fonde la Société des houillères et fonderies de l'Aveyron en 1825. Dans la nuit de Noël 1828, en remplaçant le charbon de bois par de la houille brûlée avec du minerai de fer, la première coulée de fonte est coulée dans les hauts fourneaux de Firmy avec cette nouvelle technique venue d'Angleterre. Très vite, le site de Firmy s'avère trop petit. Et trois ans plus tard, en 1831, le duc de Cazes construit une plus grande usine avec son agglomération dans la plaine de la Grange. C'est à cette époque que commence véritablement l'exploitation industrielle du charbon dans l'Aveyron.
En quelques années, naît la ville de Decazeville qui prend le nom de son fondateur par ordonnance royale du 3 novembre 1833. L'extraction du charbon se fait essentiellement dans des mines souterraines. Mais des couches de charbon très proches de la surface permettent également une exploitation à ciel ouvert dans de nombreuses découvertes. C'est en 1832 que la première découverte du bassin est ouverte à Firmy. Dans les secteurs de Cransac et Aubin, plus d'une vingtaine d'autres plus ou moins importantes suivront. Mais la plus connue reste la découverte de La Salle à Decazeville, dont l'exploitation démarre en 1892. L'exploitation souterraine s'arrête le 31 janvier 1966. La découverte de La Salle devient alors le point d'ancrage de la production charbonnière dans l'Aveyron. Située aux portes de Decazeville, elle a toujours fait partie harmonieusement de la vie decazevilloise. Clin d'œil sur cette découverte qui fut pendant longtemps la plus grande découverte de France. Le chantier est devenu un immense cirque, profond de 200 mètres. Sous les gradins rocheux, on distingue très nettement l'épaisse couche de houille pure. À mesure que la houille se découvre au fond de l'amphithéâtre, on l'abat elle aussi à coups d'explosif. L'explosif ayant fait son œuvre, il faut déblayer les terres abattues. Avec des couches de charbon très épaisses, jusqu'à 80 mètres d'épaisseur, la méthode d'exploitation est toujours restée identique sur cette découverte. Abattage des roches à l'explosif, puis déplacement des stériles pour accéder aux couches de charbon. De 1950 à 2001, plus de 200 millions de tonnes de stériles seront déplacées sur le site pour mettre à jour les couches de charbon exploitables. La découverte de Decazeville se dote d'engins impressionnants, de véritables monstres d'acier qui entament quotidiennement une ronde incessante au fond de la découverte.
d'abord avec les pelles électriques Marion et les camions Euclide jusque dans les années 80. Rien n'arrête les puissants véhicules chargés d'évacuer les déblais, ni les pentes les plus raides, ni les pires bourbiers de la mauvaise saison. Puis, avec des pelles hydrauliques, beaucoup plus rapides et plus puissantes, dotées pour la plus grosse d'entre elles, la pelle de Mag, d'un godet de 14 mètres cubes. C'est le T sur C, terre sur charbon, qui détermine la rentabilité de l'extraction. À Decazeville, il faudra enlever en moyenne entre 10 et 12 tonnes de stérile pour une tonne de charbon. Après plus de 100 ans d'extraction de charbon dans cette fosse, l'exploitation s'arrête en juin 2001. Les équipes de charbonnage de France sont toujours là pour engager un nouveau défi, la réhabilitation du site. Objectif, mettre le site en sécurité conformément aux obligations du code minier pour mi-2006. Dès 2001, la découverte de la salle rentre en phase de mise en sécurité. Remodelage des talus, mais aussi création de nombreux ouvrages pour assurer une gestion efficace des eaux afin de permettre à la nature de reprendre progressivement ses droits en toute sécurité. Un travail immense mené par les équipes de charbonnage de France qui ont dû bouger plus de 5 millions de mètres cubes de terre, créer 28 km de banquettes, modeler 170 hectares de verse et réaliser plus de 6 km d'enrochement pour canaliser les eaux de pluie. Quatre années de travail auront été nécessaires pour gommer plus d'un siècle d'exploitation dans cette découverte. Des camions de 140 tonnes de charge utile pour transporter la majorité des terres. Un remodelage des flancs de fosse réalisé avec des bulldozers. Il ne s'agit plus de pousser les remblais sur les verses ou de charger les camions de charbon. Maintenant, peigner les talus et travailler dans des pentes pouvant atteindre, pour certaines, les 28 degrés d'inclinaison. Le professionnalisme du personnel de l'UT Aveyron fait merveille. Quatre années de travail, de concertation, d'études techniques et de rapports d'experts seront nécessaires pour obtenir l'arrêté préfectoral d'arrêt des travaux de la concession de Decazeville-Firmy, signé le 5 novembre 2004. Qui fixe en particulier à la côte 195 le niveau du lac de la découverte de la salle. Un consensus général entre les souhaits des représentants de l'État, des élus et les impératifs techniques et financiers de Charbonnage de France a permis de retenir cette solution qui offre un maximum de garanties à toutes les parties concernées. Au début de l'année 2006, le site arrive en fin de mise en sécurité. Les équipes de l'Aveyron restent toujours mobilisées pour terminer ce chantier avant de passer le relais à d'autres aménageurs pour utiliser ces nouveaux espaces en toute sécurité. La découverte de la salle s'est ouverte à une autre vie, celle de l'après-mine. Mais c'est maintenant une autre histoire qui va s'écrire à Decazeville.